J'ai eu la chance pour avoir une résidence à la Cité des Arts à Paris pour faire la même chose que j'ai fait au Maroc, mais dans les régions parisiennes. Alors j'ai resté plus ou moins 3 mois, j'ai visité les périphériques de Paris, par exemple Bondy, Nozay-le-Sec et d'autres endroits. Et toujours dans cette idée de juste documenter l'aspect culturel urbain du foot. Alors c'était plus ou moins la mode, c'était l'influence sur les gens, comment ils s'habillent, comment le foot il s'inspire aussi. Dans cette résidence, je ne vais pas montrer que la France, mais je vais essayer de connecter le Maroc et la France à travers cette culture de sport, et j'ai créé cette installation. Pour moi, cette installation, c'est comme j'essayais de recréer un match imaginaire, que ce n'est pas les vrais joueurs qui jouent, mais c'est des facteurs comme l'identité, l'espace, l'action, l'immigration qui jouent un rôle important dans ce match imaginaire. J'ai rencontré des filles à la plage qui jouent à Tanger ou bien à Casa, et je pense que le foot féminin au Maroc, d'un côté, d'un quelqu'un qui observe l'espace public, je pense qu'elle se développe. Parce que je trouve pas mal de filles qu'il exprime à travers la balle dans l'espace public.